Tantôt,
j'ai vu un oiseau sur le bord de la fenêtre. Et puis que je te bec dans la rouille, le pauvre. Comme si la pierre avait pu donner à manger. Peut-être qu'il s'est trouvé pris de court par l'hiver, puis qu'il n'a pas réussi à faire son migrement vers le sud. Par chance, il me reste un peu de pain. You are going to die! No! J'ai bien peur que ça soit fini. Voyons donc. Les Anglais pourront point s'emparer de Québec, ils seront jamais capables. T'as point vu les bateaux anglais sur le fleuve? Il y en a quasi autant que les ouais blanches au printemps. C'est vrai, maman. Claudien a compté 182 bateaux. Puis il y en avait bien plus qu'il a dit, mais il était pas incapable de compter plus loin. Arrêtez donc d'épeurer les enfants avec vos histoires. Mais on va faire quelque chose. Et tu veux qu'on fasse? Ils sont bien trop nombreux. Proche de 10 000, il paraît, sans compter les matelots. Tais-toi donc, Joseph. Ce sont point si long que l'hiver va arriver, là. Et glace, le bateau pourront point le servir à grand-chose. En attendant que les Anglais nous achèvent, là. Nous autres, on pourrait peut-être boire encore un petit verre. Trouves-tu pas que t'as assez bu, toi? Les Anglais, là, ils auront point besoin de prendre Québec. Ils vont mettre le feu à tous les villages alentours, puis ils vont attendre que Québec tombe tout seul. On dirait que ça te fait plaisir, hein? Les Anglais sont débarqués au village. Hein? Ils sont en plein bateau armé jusqu'aux dents. Oh, Dieu du ciel! C'est donc bien fini. Et Kiri veut voir tout le monde à l'église. À cette heure? L'église est entourée d'Anglais. Quand je pense qu'on s'est tellement morfondu pour arriver à vivre dans ce pays-là, ça va avoir servi à quoi? On s'était fialé pour rien. Pour rien! Formidable, les empêchera d'avoir aucun secours.
Mais les Anglais ont de plus grands sentiments d'humanité et ils écoutent les préceptes miséricordieux de la religion chrétienne. But should you be deluded by any imaginary prospect of our want of success? Cependant, si vous vous bercez d'illusions dans l'espoir de notre défaite, les misérables Canadiens auront la douleur de voir leur famille, pour qui ils ont exercé un courage inutile et dangereux, périr dans la plus grande famine durant l'hiver qui approche. Que notre Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte Mère, la Vierge Marie, nous accordent la grâce d'accepter cette défaite dans la résignation et la sérénité, de nous soumettre à nos nouveaux maîtres pour devenir de fidèles sujets de Sa Majesté, le Roi d'Angleterre. Puis ils vont chasser les Anglais. Marie-Joseph! Mon calme, il est mort. Il s'est fait tuer. Puis les nôtres sont battus. Dieu du ciel! Les Anglais nous ont pris par traîtrise. Ils ont trouvé un chemin pour grimper à falaise. Ils sont en train de rentrer dans Québec. Comme les Anglais l'avaient prédit. On les a laissés faire. On s'est croisés les bras. Puis on a entendu que les choses se passent comme il avait voulu que ça se passe. Au village, il n'y en a pas un qui est prêt à se battre, pas un seul homme. Il peut bien clabouder puis battre les flancs. Il n'y en a pas un de vous autres qui aurait le cœur de prendre son fusil puis d'aller rejoindre le général Lévy pour essayer de reprendre Québec. Faudrait être complètement fou. Ah, y a plus rien à faire. Les Anglais sont trop forts. T'as pas vu toute leur flotte, toi? C'est comme des vagues. Ils n'avaient à part de vue. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre une armée de même? Ils sont 40 000. Pas de raison, ça. Ils vont-ils nous exiler, nous aussi, comme ils ont fait avec les Acadiens? Quand ils auront mis le feu au village, puis quand ils auront tout brûlé, comme à Grand Pré, pas vos bassins? T'as entendu ce que le curé Parent nous a dit? Les Anglais l'ont promis. Il n'y en aura point de déportation. C'est qui en sait, lui? Commencer par mifler le vent pour savoir de quel bord qu'elle est suivie et décider de rien faire. Voyons, Marie-Joseph. Il a fait comme nous autres. Il a fait ce qu'il a pu. Et ça, justement. Il a fait comme vous autres, il a rien fait. Marie-Joseph. Poulie.
que vous êtes. Toi, Marie-Joseph, je t'en donne mon avis, va point trop loin. Ben bon, pour rester là, vous lamentez, mais quand vient le temps de mettre vos culottes et de faire quelque chose, vous êtes plus rien que beau qu'à faire dedans, bande de poltron. Ces grands chevaux puis qui se mettent à me vouer de coups. La guerre a laissé bien, bien des traces. Mais il faut point désespérer de la volonté du bon Dieu, Marie-Joseph. C'est l'occasion de lui prouver ton amour à lui qui a envoyé son fils mourir en croix pour expier nos péchés. Bon. Mais c'est tout ce que vous avez à me dire. C'est ça. J'ai plus rien à faire ici, moi. Marie-Joseph de Bouchard! Comme son père. Faut que tout le monde soit à genoux devant eux autres. Vous êtes pas très respectueuse pour votre cousine, mon enfant. Je t'ai déjà dit, Isabelle, que je voulais point que tu écoutes ce qui se dit dans le secret de la confession. C'est pas un secret, tout le monde le sait au village. Jean Bouchard, il est plus capable de la supporter. Chut, chut, chut. Tu sais que vous êtes fauchée après moi? Mais non, je suis point fauchée, ma petite Isabelle, mais prends garde. Mieux à faire que de penser au malheur de Marie-Joseph Bouchard. Hein, penses-tu, moi? J'ai rien qu'à te porter ce souhait. Menteuse! Le souhait, c'est pour me confesser! Menteuse! Le ventre me brûle. Je te
fait pointer en but comme une tonne depuis 3 jours. Avec ton ami Jacques Dansereau. Tu tournerais point comme une bête, Charles Bouchard. J'ai chaud, Marie-Joseph. On dirait que j'ai le feu au corps. Fais quelque chose, ton gueule, laisse-moi pas de même. C'est comme si... comme si la tête voulait me fendre en deux. J'en peux plus, ma vie. J'en peux plus. T'as envie de me tuer, me... Hein? Serais-tu donc que t'as plus assez de force pour battre ta femme? Marie-Joseph, va guérir les enfants. Les enfants sont bien où ils sont. T'es pas si fort, t'as le souffle qui pue, Charles Bouchard. Même les mots que tu dis sentent la charogne. Pour l'amour du ciel, Marie-Joseph, va me chercher le docteur. Je m'en vais mourir. On dit qu'il était mort des fièvres putrides. Le médecin n'aurait pas pu faire grand-chose. Puis tant pis pour ceux du village qui n'ont jamais voulu le croire. Ce pauvre qui s'est barré en dedans. Tout le mauvais qu'il y avait en lui qui grugeait les entrailles, ça pouvait point se soigner. C'était lui, la maladie. C'était lui, le mauvais. Puis la terre, c'est qui va la cultiver, hein? Qui c'est qui va me nourrir, moi? Seul, j'y arrive point, puis je veux point dépendre de votre charité. T'as pas obligation de te remarier tout de suite, y a point de presse. C'est bien que je suis toujours là, moi. Oh, c'est point la même chose. Vous devez savoir ce que c'est, la vie d'une femme avec un homme. Puis j'ai des enfants aussi. Même si on point l'air de se rendre toujours compte que je suis leur mère. Mais ils ont besoin d'un père, ces enfants-là. Oui, mais Dodier, Marie, t'y as point pensé. Il a bien de la gueule, mais c'est un bon rien. Mais vous êtes bien injuste avec lui. Il a son franc parler, c'est vrai, mais il est point pire qu'un autre. Au contraire, je dirais. Puis il me cherche trop de misère, là. Ben là, vous me protégez. Hein? Ouais. Papa! Moi aussi, j'aime ça, venir ici pour voir le fleuve. Je regarde les oiseaux. Je le parle. Il y en a au village qui me traite de sorcière à cause de ça. Mais vous, grand pis fort comme vous êtes, vous ne pouvez pas croiser sans être là. Hein? Et petit. Et grand champ de barley. Amer. Sentais-moi, eternal as a child, comme un petit enfant. Voyons donc, Louis, un Anglais. Tu commences à prêter foi à toutes les sornettes qu'on raconte au village. Point les sornettes. Jacques Dansereau t'a aperçu sur le cap à l'ours. Il m'a dit que t'étais en grande conversation avec l'Anglais du presbytère. Dis-moi donc. Tu serais point un brin jaloux, Louis Dodier? Hein? C'est-tu point normal quand tu ressens du sentiment pour une femme? Grand bêta, tu sais bien que c'est toi que j'aime. Hein? Grosse bête, va. Faut pas me raconter des menteries, Marie. L'Anglais, là. Ça m'est arrivé de me croiser une fois en sortant de confesse. C'est bien juste si j'ai dit 2 mots. Faut me croire, Louis.
Non, Louis, mon père pourrait s'en venir. Ton père? Ben, il est aussi jaloux que toi. Moi, jaloux? Oh, ben, viens pas me dire le contraire, Louis te dit, jaloux. Jaloux! Tu m'avais point dit que... tu voulais venir voir s'il restait du foin dans le fenêtre, toi? Avant que tu te mettes à croire qu'il se passe quelque chose entre l'anglais puis moi. On peut point se défendre. Quand Charles, mon mari, est mort, ça vous dérange pas si je vous parle de mon défunt mari? Il y en a qui ont eu l'effronterie de vouloir me mettre ça sur le dos. Vous m'écoutez pas, Alexander? Excuse-moi. Ça vous fait rien si je vous appelle Alexandre? C'est beau, Alexandre. Fais doux. Alexandre. Vous ressemblez beaucoup comme une femme d'Abeline, non? Vos yeux, vos cheveux. Non, c'est trop parlé. Je dois vous fatiguer avec mon histoire. Non, c'est juste que j'ai plus trop l'habitude de voir. Vous savez, ça me tournait plus la tête. J'aime bien quand vous me parlez des Birdines. J'aimerais ça, voir les Birdines. Alexandre! Comment ça se fait qu'elle est point avec nous autres? On aurait pu tout finir aujourd'hui. T'es bien seul à pas le savoir, mon pauvre Joseph. Savoir quoi? À savoir qu'il est temps de te rouvrir les yeux. Tout le monde à Saint-Vallier raconte qu'à court le matou avec les Anglais du presbytère. Tu devrais point prêter fouet à ces clavaudages de tout un chacun. Marie ferait point ça. Tu cherches toujours une défaite pour la couver. Mon doux Seigneur, es-tu aveugle, Joseph? Marie, c'est une femme qui est veuve. Ça me fait de la peine pour les enfants, mais le mieux, ce serait qu'elle se remarie. Avec son dodier, tu vas me dire. Et pourquoi non? Ça ferait point mauvais parti. Et peut-être qu'il serait capable d'y tenir la bride serrée, lui. Jamais! Oh! Mon bras! Jamais, tu m'entends? Joseph, aide-moi. Dodier mettra point la main sur ma fille aussi longtemps que moi je serai en vie. Marie-Joseph de Corriveau, veuve de feu Charles Bouchard, voulez-vous prendre pour légitime époux Louis-Hélène Dodier, si présent? Oui, je le veux. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Marie-Joseph de Corriveau et Louis-Hélène Dodier, si présent, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Non, Joseph! C'est ta fille!
12 of 20. Joseph Fortier, notaire de Sa Majesté, établi à Saint-Vallier, en présence de Dame Marie-Joseph Corriveau, épouse en secondes noces de Sieur Louis-Hélène Dodier, d'une part, et de Joseph Corriveau, tuteur des enfants de feu Charles Bouchard, d'autre part, et avec permission de Son Excellence James Murray, gouverneur du district Québec, et de son représentant si présent, James Abercrombie, major dans les armées de Sa Majesté le Roi d'Angleterre, avons instruction de procéder en ce 20 janvier 1762 à la vente aux enchères et suivant les prescriptions de la loi, au partage entre ses héritiers des biens du dit feu Charles Bouchard, décédé le 27 avril 1760. L'inventaire établi et dressé par nos soins comprend les biens immeubles suivants. Une terre de 2 arpents de largeur par 40 de profondeur, sise au 4e rang de la seigneurie de Saint-Michel. La mise à prix étant de 100 livres. 100 livres une fois, 100 livres deux fois. 120 livres. 120 livres. Qui dit mieux, 120 livres une fois. 130 livres, une fois... 137 livres! 140 livres! 140 livres, une fois, deux fois, 140 livres, trois fois, adjugé à Louis-Hélène Dodier. Item. Une terre habitée de 2 arpents de largeur par 40 de profondeur, sise au second rang de la seigneurie de Saint-Vallier, avec les bâtiments dessus érigés, à savoir une maison de pièce sur pièce lambrissée de 20 par 20 pieds, plancher haut et bas, cheminée de pierre au nordais, plus une grange close de planches de 30 par 25 pieds couverte de paille. La mise à prix étant de 250 livres. 260. 260 livres. 270 livres. Une fois. 280 livres. 280 livres. 300 livres. 310 livres. 320 livres. 350 livres. 380 livres. Voyons, mon père. Mr. Corriveau, vous êtes sûr que vous allez bien? 385 livres. 385 livres. Adjugé à Marie-Joseph Dodier. Item, bien meubles divers comprenant outils, aigrettes fermes et ustensiles de cuisine. Une étrille, prisée à 16 sols. Une étrille, 16 sols, une fois, deux fois, trois fois. Qu'est-ce qui vous a pris? Adjugé à Joseph Corriveau. Je fais ça pour toi et puis pour les enfants. Oui, on dont les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Vous aviez décidé de reprendre la terre que vous m'aviez donnée, c'est tout. Pas sûr qu'elle m'intéresse, cette terre-là. Je m'en cache pas, c'est une terre mitoyenne. Vous changerez donc jamais, hein? Vous pouvez point souffrir de Dieu. Puis pour vous débarrasser de Dieu, vous étiez prêt à me sacrifier, moi. T'avais point obligation de le marier. J'avais besoin d'un père pour mes enfants, ça aurait été pareil. Il n'y a jamais personne qui peut faire votre affaire, vous. Dodier t'a marié pour avoir la terre, un point, c'est tout. Il n'y a jamais personne qui donne rien à personne, tu devrais savoir ça. La vie, c'est se retrousser ses manches puis se battre parce qu'il y a toujours un Dodier maudit qui ressout, qui attend que tu baisses les bras pour te voler ton bien. Puis moi là-dedans, moi je compte point. Ça, c'est point vrai, Marie. Ta mère puis moi, on manque point mieux que de t'aider. Ça peut plus continuer, je suis en droit d'avoir une vie à moi. Il y a des choses que je peux point faire à ta place. T'avais pas obligation de courir après tous ces arias. Le village arrête plus de jaser. Oh, mais c'est ça. Vous allez prêter faux racontant du village à cette heure? C'est quand même point moins qu'on a vu rôder dans les chemins de la grève avec les Anglais du presbytère! D'abord, c'est point les Anglais, c'est un Anglais. C'est pas un Anglais, c'est un Écossais. De toute manière, à Saint-Vallier, que je fasse ce que je dis n'importe quoi. Marie-Joseph. On t'attend. C'est point de ma faute, moi.
chaise à l'enfant qui a survécu. Puis je vous ai rien demandé! Le produit de la vente aux enchères s'est élevé à 1100 livres ses sols, dont nous avons soustrait les frais applicables à la succession pour un compte net de 981 livres 6 sols à partager conformément à la loi en deux parts égales entre d'une part la veuve et d'autre part les enfants. Arrêtons de me faire rendez-vous. T'es au bout de mon chemin, là, je t'occupais. Oui, j'avais pas eu le sentiment de te déplaire. Ben justement, tu me scies. T'as rien d'autre à faire, va donc voir la jument. La jument, voyons. T'as dit, point lève, s'en occuper de la jument. Puis pendant ce temps-là, toi et puis moi, on pourrait... T'aurais pas envie de goûter de l'andouille. Quoi? Moi avec toi? Non, mais tu serais pas estropé de la cervelle. L'autre dit, regarde-toi à des gaines, t'es troussé comme un pet. Ben toi, il y en a des bains-pieds comme moi qui se sont trempés le lardon dans ta lèche-frite. Qu'est-ce que tu veux dire là, toi? Ah ouais, pas? L'anglais du presbytère, tiens. Il t'a point fait voir la feuille à l'envers, non? Hein? Pourquoi j'y aurais point droit aussi? Claudion, veux-tu bien me lâcher? Tu veux me lâcher, toi? Hey! Oui, Mme Joseph. Hey! Lâche-moi! Non, mais pour qui tu me prends, Claudion? Envoyez ça, c'est de la presse! Mais voyons, Mme Joseph! J'ai dit dehors! T'es content, bien chanceux que j'ai pas de train qu'on descend à Louis-Hélène! Il est revenu un matin. J'ai demandé un peu de l'eau gazée, mais il m'a refusé. Fait que j'ai mélangé de l'eau avec des petits morceaux d'œufs qui ont fini par sécher ses bords. Là, il doit encore avoir peur. Il comprend point, je veux point de mal. L'oiseau va revenir. Demain, je vais me glisser entre les barreaux puis je vais m'envoler avec toi. Tous les deux. Comme des flèches de feu que même le plus fort des Nordais ne pourra jamais éteindre. Plus haut que le clocher de la cathédrale. Donc, point parti avec toi. C'est toi que j'aurais bien dû marier. Je vois d'ici la mine de mon père, rouge comme une forcure, chaque fois qu'on y aurait parlé de son gendre anglais. Arrête, tu me chatouilles! Mes enfants, ils seraient comme les tiens. McDonald. Charles. Françoise, puis Angélique, McDonald. C'est beau, tu trouves pas? Oh, Alexandre, prends garde si quelqu'un nous trouvait. Tu montrerais ta manière de regarder la mer. Moi, j'apprendrais à te parler en anglais. Avoir comme une autre vie tout d'un coup. Et Buddy, une personne qu'on connaît, tout recommencer en neuf. Il avait voulu t'attaquer en traite par en arrière. Je
juste au moment où il était venu pour te planter sa fourche dans le dos. Moi, j'avais crié. Là, tu t'étais retourné. Là, tu avais tiré une balle en plein entre les deux yeux. Bang! Juste un trou dans le front. Avec mon père. Vite, faut se cacher. Où est mon engeance de fumier? Que je te reprenne à voler mon bois, je te casse la tête avec une pioche! C'était mon bois! Tu peux pas être chanceux, toi, parce que c'était point de ma fille. Et j'ai pas fini de se faire payer pour les comptes de son père. Je te revois, lever la main sur ma fille, toi. C'est ma femme! J'ai le droit de faire ce que je veux avec! Je t'avertis! N'avise-toi plus jamais de toucher à ma fille! Bon. M'en acquérir la jument! Vous pouvez pas m'empêcher de ne pas servir! Elle est à moi autant qu'à vous! Ah oui! Décampe! Et pour la jument, tu vas dû en profiter! Parce que t'en auras point pour longtemps! Hé, hey, oui! Si je t'envoie ta face de traître, te saigne comme un cochon. Monsieur Corriveau. Tu vas là, toi. Ah ouais, il y a un travail. Ben oui, Bûche. Ah ouais, ah ouais. Ce diable d'homme-là, il me fait peur. Il faudrait quelqu'un pour lui donner une volée. Un gars qui serait grand puis fort comme toi, Alexandre. Hein? Tu serais capable, toi? J'aurais dû prendre mon courage à deux mains puis m'en aller. Partir. Me sauver. J'ai cru qu'il y aurait quelqu'un pour m'aider à me déprendre. J'espérais. Mais non. Tu restes seule. Avec la rage que t'essayes de ravaler. Parce que t'as point force de te lever puis de crier non! Combien de fois je vais-tu devoir te le répéter? Je travaille, moi, j'ai besoin de manger. T'as donc point compris? Je veux manger! T'as voulu bien avancer à cette heure, hein? J'ai point le temps. Toujours point fin du monde. Je suis allée chez mon père pour voir mes enfants. Ils veulent plus vivre ici parce que tu me chicanes la journée longue. Ils veulent plus vivre ici parce que t'es toujours à lire tes maudits livres, à courroyer puis à boire. Mon Dieu, que j'aurais donc dû écouter mon père.
ton père. Oui, mon père. Il avait bien raison, mon père. Oui, moi que tu voulais. Moi, j'étais juste la servante qui venait avec la terre. Viens pas mêler ton père à ça. T'es plus sa fille, Star, t'es ma femme! Lâche-moi. Si t'as point compris, moi, ça te fait comprendre, reste là, moi! Mal! T'es ma femme, t'as-tu compris? Ma femme! La femme à moi! Va l'engraîter, Louis Dodier! T'es ma cassette! Va l'engraîter! Mon père, lâche-moi! Ça croit qu'à Saint-Bally, ils ont jeté des cannes dans le même bois. Il voit dans les champs. Corps luisant tueur comme de la belle rosée du printemps. Puis tu te dis que ça doit donc être doux de s'endormir dans ces bras-là. Tu te dis que quand tu te réveilles à côté d'eux autres, c'est vite fait que tu déchantes. Qui s'appelle Charles Louis, Hélène Benet, n'importe quoi d'autre. Ils sont toutes pareilles. Mon père sera d'accord pour que mon mari continue de rester dans la maison s'il veut, puis de cultiver la terre. Tout ce que je demande, c'est que vous me donniez permission de retourner vivre chez mon père. Je voudrais bien, mais comme j'ai dit à votre père, si je permets à toutes les femmes maltraitées de quitter le domicile conjugal, ce serait le désastre dans toute la colonie. Oui, mais écoutez, monsieur le major, mes enfants ont peur de lui. Ils dorment chez mon père. J'ai bien peur que vous avez tiré la mauvaise carte. Pourquoi vous n'allez pas voir le curé parent? Il reste plus de bois. Comment ça, il reste plus de bois? C'est point de ma faute, mais si tu m'apportes rien que des brancheurs, des petits rondins qui partent en fumée. Mais t'as qu'à aller t'enquérir du bois. Tiens. Lâche. Moi, je vais sortir le jument. Tu diras à Dion de venir me rejoindre à l'étable de ton père. Que le manger soit prête quand je vais revenir. Pareil, maudit pays d'enfer. Va pourtant bien y en avoir des hommes qui sortiraient de tes bras aussitôt qu'ils se rentraient. C'est qu'on leur a fait pour crever aussitôt comme des bêtes enragées, puis qu'ils sachent même plus ce qu'ils frappent tellement qu'ils sont rongés par les tissons de la fureur.
plus. Il va falloir que vous m'écoutiez en confession. Mr. Corriveau, your lawyer is supposed to be here in a little while. Now, either you go back to your cell until he arrives, or you keep quiet in your seat. Do you understand? Là, là, j'ai point compris. Sergeant, if you read the second part of Major Abercrombie's report, you can see that Joseph Corriveau and Dodier used to fight quite often. Enfin, vous voulez, notaire. Dites-moi donc pourquoi ils m'ont emmené ici. Je vous le demande. Où s'est collée ma fille? Quand sais-tu que je vais la voir? Mais voyons, calmez-vous, calmez-vous. Je vous prie d'excuser mon retard, messieurs. Le capitaine Cramay a dû vous prévenir que... Not yet arrived. Comment? Le procureur Cramay pourrait arriver. What shall I do? He's the only person who understands the French. Pourquoi c'est-il qu'il n'y a rien que des soldats? C'est eux autres, les juges. Ils comprennent point le français. C'est le pouvoir militaire, monsieur Corriveau. La loi du vainqueur. Bon, vous allez leur expliquer que c'est un accident. C'est la jument qui l'a tué. Une jument qui était même point ferrée, mais avec des sabots dans une fourche. Ceux qui l'ont vu, ils savent que c'est la jument. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Vous seriez mieux de me dire la vérité à moi. Hein? Vous êtes accusé de meurtre avec la complicité de votre fille. Ma fille, elle n'a rien à voir dans cette histoire-là. Mais si vous avez agi à son instigation, il ne faut pas hésiter à le dire. C'est votre vie qui est en cause. Vous étiez de laisser ma fille en dehors de ça, c'est clair. La mort de Dodier, c'est un accident. C'est la jument qui l'a tué, un point, c'est tout. We have no more time to spare. Let us proceed without any further delay. Thank you.
curé. Lui, là, si ça continue, il va y arriver un malheur. Ton père est toujours en chicane avec tout le monde. Il te dit, c'est encore pire. Il était pas incapable de le sentir. Quand tu forges ton père, il va plus clair. Il vient fou. Un jour, il a cassé le bras de sa femme. Puis toi, t'as rien fait pour la défendre. Il a dit à Daddy qu'il serait mieux d'en profiter de la jument. Qu'elle n'aurait pas pour longtemps. La maudite jument! C'est lui le démon maudit! Une fois, il a quasiment arraché un œil à son filleul! Pis toi, t'as rien fait non plus pour sauver Charles Bouchard, ton premier mari. Il a rien pour l'arrêter. Il est pire qu'un lion! T'es pas beau tant que lui, toi! Il peut pas supporter de voir un homme autour de sa fille! Un jour, il s'est jeté sur Daddy avec une fourche. Avec une fourche? Il était dans l'étable avec une fourche! Caché en arrière de la porte avec une fourche! Voyons, ça se peut point que ça soit la jument! Elle était même point serrée! Et qu'à quoi? Les blessures, on voit bien qu'il a reçu un coup de fourche! Pis toi, comment t'as fait pour avoir que trois petits avec Bouchard et aucun avec Dodier? Ouais, quand t'es les femmes, la paroisse en ont 12 ou 15! Je dis que les sorcières, ça en connaît d'affaires, hein? C'est bien toi qu'on devrait pendre! C'est toi la chienne à rager! Monsieur Daddy m'a raconté que Corriveau avait voulu le tuer dans la grange. Il avait dit de sacrer son camp s'il voulait pour y finir comme Charles Bouchard. Le jour du meurtre, Monsieur Corriveau a voulu prendre la jument dans l'étable. Lui et Daddy se sont chicanés. Puis là, Monsieur Corriveau l'a menacé avec sa fourche. Quand je suis arrivée dans l'étable, Louis avait M. Dodier. Il était accouché sur le dos, dans la paille puis le fumier. J'ai entendu quelqu'un dire que ça pouvait pas être des rouettes qui l'avaient tué, mais que ça devait être la fourche à fumier. Il avait la tête toute pleine de sang, fait que je l'ai lavé. C'est mieux que j'ai pu. Puis là, mon oncle Joseph, il m'a demandé de y envelopper la tête dans un linge. Prions pour notre frère Joseph Corriveau, pour notre sœur Marie-Joseph de Dodier. Demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a souffert sur la croix pour notre salut, qu'il leur accorde aujourd'hui la force d'affronter leur juge avec repentir et sérénité. Nous tenons à rappeler devant cette cour que le curé de Beaumont a déclaré à Jacques Dansereau, capitaine de milice à Saint-Vallier, que le soir même du meurtre, il avait rencontré trois hommes en face de chez Dodier, dont l'un était couvert de sang. De même, l'accusé se souvient avoir lui-même raconté au major Abercrombie, lors de l'interrogatoire, qu'un dénommé Louis Brousseau, avait été à l'emploi de Dodier, et que, mécontent de ses gages, il avait trois semaines avant le meurtre proféré des menaces contre le dit Dodier. Did you understand what he said? Didn't quite. It's nothing really important. Mais même si l'on admettait pro forma que les soupçons accablant Joseph Corriveau puissent être fondés, ces soupçons ne prouveraient pas pour autant sa culpabilité. C'est M. Curie qui a écrit le rapport. Charles Denis m'a dit qu'il avait signé qu'une croix, mais qu'il avait un point lu parce qu'il avait un point lire. À son idée, M. le curé, il a voulu protéger la famille. J'ai conseillé au capitaine de milice de rassembler quelques personnes pour examiner le cadavre. Puis j'ai rédigé le rapport d'après ce qu'ils m'ont dit. Personnellement, je n'ai point vu le cadavre, mais tous ceux qui ont signé le rapport étaient d'accord avec ce qui était écrit. Moi, j'ai la conviction d'avoir agi dans l'intérêt de la paroisse. Et si maintenant nous passons à l'examen des témoignages présentés devant cette cour, nous devons sans la moindre hésitation en rejeter la grande majorité.
En effet, dès lors qu'un témoin fait une fausse déposition, son témoignage ne devient-il point suspect? Et ne doit-il point être par là même rejeté? Je n'insisterai pas sur ceux qui, à l'instar de Claude Dion, l'employé de Daudier, sont beaucoup plus bavards pour colporter des racontars que pour rapporter des faits dont ils auraient été eux-mêmes de visu témoins. What did he say? Nothing, just words, words, words. Et si maintenant nous passons au témoignage d'Isabelle Sylvain, nous devons aussi le considérer comme à rejeter. Celle-ci s'est en effet souvent contredite, et même désavouée à maintes reprises, au point où la cour a cru nécessaire de l'accuser de parjure. Lors donc que la cour, avec sa minutie habituelle, examinera le contenu de tous ces témoignages, elle n'y trouvera aucun argument probant susceptible de convaincre, sine dubio. Sine dubio. L'accusé de participation directe ou indirecte à ce crime. Nothing really important. Words, words, words. Le bon Dieu le sait, lui. Puis toi aussi, tu le sais, Françoise. J'ai rien à me reprocher. Je comprends point, Joseph. Je comprends point. Pourquoi? Tu cherches même point de défendre. C'est à cause d'elle. T'as marié Joseph pour la protéger. Mais si c'est pas elle que tu es Dodier, ce serait qui? On n'a point à se sentir coupable de protéger les siens. Ça n'a point de bon sens. Attends, ensorcelé. Et parle-moi pour l'amour du chien. Pour un crime que t'as pas commis. As-tu pensé à moi, Joseph? Qu'est-ce que je vais devenir, moi, toute seule, avec les enfants? Tu pourrais penser à ça? Ben, assez qu'elle a amené à mort ses deux maris. Je la laisserai pas tuer une mienne sans te défendre. Non, Françoise. Françoise, sur la tête de nos petits-enfants que t'aimes tant, promets-moi, Françoise, sur la tête et le cœur de tes petits-enfants. After carefully studying the testimonies borne against the accused and those trying to prove the said prisoner's innocence, the court declares that Joseph Corriveau has been found guilty and hereby sentences him to be hanged for his crime. Thank you.
Et on dit que votre mari est coupable. Mais non, c'est point lui. J'ai rien fait. J'ai rien fait, vous m'entendez? C'est point lui qui a tué Dodier. Courage. Joseph! Joseph! Now, what do we do with the daughter? There is no doubt about her complicity. C'est point lui. We have to prove. Je le sais, moi, qui n'ai jamais tué personne. Proceeded in this cause. Had you not insisted that Lewis Helen Dodier's corpse be exhumed, Joseph Corriveau would never have been brought to justice. Now, the present question is whether or not Corriveau may have been assisted by his daughter's complicity. You have something to say on the matter? Your Honor, I am deeply convinced that she is responsible for everything that has happened. She is the one who plotted Dodier's murder. Le 26 janvier, Marie-Joseph, Madame Dodier, est venue voir son père. Il était à peu près 9 h, mon oncle et ma tante étaient déjà couchés. J'ai pas entendu ce qu'il disait, il parlait à voix basse. Après, elle est venue s'asseoir à côté de l'arbre, puis elle restait là à chauffer pendant à peu près 1/2 heure. Je peux pas m'engager comme on veut celle-là. J'ai point osé y parler, j'avais ben trop peur. Gardais dans le vide. Serrait les dents. Les poings aussi. Elle avait les jointures toutes blanches à force de serrer. Elle couchait avec mon mari, puis elle s'imaginait que c'était le carré marié si moi j'avais pas été là. C'est la franche vérité. J'ai rien contre elle, moi, c'est ma cousine. Puis il s'est jamais rien passé entre lui, entre M. Dodier puis moi. Ceux qui disent le contraire, ils en ont bien menti. Everybody here will agree with the fact that his daughter took part in the doings. She had that in mind when she went to visit her father on that night. Vous ne m'aviez point dit que vous étiez allé chez votre père cette nuit-là. Comment voulez-vous que je vous défende si vous me cachez toutes sortes de choses? Je ne cache rien. Je suis allé voir mon père. Je suis allé voir ma fille Françoise qui était malade. Si elle me quitte, c'est bien la Sylvain. C'est elle qui veut m'avertir. Beyond all doubt, she was party to it. It's quite obvious, I agree. When you know that she had been flirting with Claude Dion, her husband's man, it is clear she had to be upset by Dodier.
Quand on s'est mis à table, M. Dodier avait grand faim. Il a dit à sa femme, « Je travaille, moi, tu pourrais au moins me donner à manger. » Elle a répondu, « Si tu travaillais tout autant que tu manges, mais continue, t'en as peut-être bien plus pour longtemps à manger de même. » Je pense qu'il se méfiait d'elle. Faut pas oublier que son premier mari, Charles Bouchard, est mort d'un coup d'étrille. Il chicanait tout le temps. Puis elle buvait. Beaucoup. Une fois, je l'ai même vu vomir dans le casque d'un de ses enfants. Elle vendait des choses à la maison pour aller s'acheter de l'eau de vie. Une fois, elle m'a dit, « Qu'est-ce que je donnerais point pour tout effacer puis recommencer en neuf, tandis que le dotier, je le marierais point. » Oh non. Une autre fois, j'étais tout seul en train de manger. Puis elle m'a flatté les cheveux de la tête en disant, « C'est un beau nom, Claude. Ça fait doux. » Ben, des gens de la paroisse sont venus témoigner. Je savais rien d'autre qui m'haïssait. Ma propre mère m'haïssait. J'ai dit qu'elle trouvait toujours assez de temps pour venir voir son père puis se plaindre à lui de tout un chacun, mais qu'elle n'avait jamais assez pour s'occuper de sa fille. Ensuite, je me suis retournée puis j'ai essayé de me rendormir pendant qu'il continuait de parler. J'avais trop plein de ressentiments par rapport à petite Françoise qui avait été bien malade puis qui avait pleuré toute la journée pour voir sa mère. Pas fait attention à tout ce qu'ils ont dit. Je me rappelle juste l'avoir entendu dire à son père. Avec Charles, ça n'avait point été tant compliqué, ça me semble. C'est tout ce que j'ai à dire. It is obvious that if anyone is still doubting about the matter, they should read Alexander MacDonald's testimony. In it, Lewis Helen Dodier's wife tries to suggest to him the idea of beating her husband to death. Alexander MacDonald, vous dites quelque chose? Ne lui avez-vous point demandé de rosser votre mari? Alexandre, tout. Je me rappelle quand... Alexandre s'est mis à parler au juge. Ça m'a fait comme s'il parlait d'une autre femme que moi. Il parlait une langue que je comprenais point. J'ai senti mes oreilles se fermer. Mon cœur. Fermé. J'étais fatiguée. Thirteen of 20. Fourteen of 20. Fifteen of 20. Dans la main gauche. Ils m'ont marqué au fer rouge. M. M. Comme murder. Mon condamnant recevra 60 coups de fouette. 20 coups à Saint-Vallier. 20 coups à la place du marché à Québec, puis... Puis il vient juste au pied de la potence. Ils pourront bien m'en donner 100 de plus. Ils pourront bien s'arracher les bras à me fouetter. Ils auront rien de moi, il me reste plus rien.
comme mauvaise, malfaisante, maudite. Plus de sang, plus de cœur, plus d'âme. Rien que des mots. Aime comme mémoire. Aime comme mot. Quand le bourreau va me frapper avec son fouet, je voudrais que tous ceux qui m'ont sali avec des mots soient là. Le fouet, la brûlure au fer, ou c'est rien à côté de ce que moi je vais leur faire endurer. Attendez que je revienne dans le rang. Tout ce qui me reste, c'est la vengeance. Ils vont marquer leur lettre M dans la main gauche. Je vais penser à la mère. Et Birdie. Je vais penser à Alexandre. Mon Dieu. Faites qu'Alexandre ne me voie point quand ils vont me fouetter. Qu'ils ne me voient point au pied de l'échafaud où mon père va être pendu. 18 of 20. That is all. Papa! Papa! Des jésuites, le père Clapion. Je voudrais être sûr, mon fils, que vous ne cherchez point à protéger quelqu'un. Vous devez comprendre que votre sacrifice serait bien inutile. Ah ouais, comment ça? Si c'était point vous qui eussiez tué M. Daudier, que vous ne le disiez point. Vous seriez alors homicide de vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Homicide de moi-même? Cela veut dire que si vous aviez menti, vous n'auriez plus à espérer du ciel aucun pardon. C'est point moi qui a tué Daudier. Puis ça, c'est la vraie vérité. Le père jésuite, il a point voulu me donner l'absolution. Non, mais Joseph, veux-tu m'écouter? C'est déjà assez dur comme ça. Puis, il me dit que si je disais point la vérité, j'aurais point de pardon une fois de l'autre bord.
Ça fait que j'ai dit que c'est pas moi qui ai tué Dodier. Mais vous avez bien fait pour passer pour une... Mais Joseph, veux-tu m'écouter? Puis là, je leur ai dit la vérité aux Anglais. Je leur ai dit que c'était tout. Mais non, papa. Mais non, papa, c'est point vrai. Papa, mais non, non. Nemo avait fini de tout dire. Dans un sens, je me sentais presque soulagée. Même si j'avais toujours su que ça finirait de même. Je sentais bien qu'il voulait tout le monde que ce soit moi la coupable. Ma mère. Même ma fille, la plus grande. Françoise. Puis même mon père. Puis contre ma famille, je me suis point sentie de tort à me défendre. J'étais prête à dire ce qu'ils voulaient tout que je dise. Pour en finir. Pardonne-moi, Marie. J'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était pas encore assez. J'étais prêt à mourir si ça avait pu te sauver. Je comprends point, Marie. Je comprends point. Pourquoi t'es point venu me trouver avant? Je l'ai frappé avec une petite hache pendant qu'il dormait. Après, je l'ai traîné dans l'étable. Seul? Oui. Après, je me rappelle plus de rien. Joseph Corriveau, veuve d'Odier, déclare qu'elle a assassiné son mari, Louis Helen d'Odier, pendant la nuit, alors qu'il dormait, qu'elle l'a fait avec un petit hache, qu'elle n'a été incitée ni aidée par aucune autre personne, et que personne n'était au courant. Elle est consciente de mériter la mort. Elle demande à la cour de lui accorder un peu de temps pour se confesser et de faire sa paix avec le ciel. Elle ajoute que c'est vraiment dû en grande partie au mauvais traitement de son mari si elle est coupable de ce crime. Signé Marie-Joseph Corriveau. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Je m'en vais prier pour vous. Mon père.
Mon père, laissez-moi pointer seul. Ayez du courage, mon enfant. Du courage. Je vais prier pour vous. Oui. Mon Dieu, aidez-moi. Je ne pourrais mourir. Mes enfants, où sont mes enfants? Je vois mes enfants.
les sourires.